Bonjour à tous, bienvenue en 2242. Bienvenue dans le futur. L'humanité maîtrise enfin le voyage dans le temps. Oui, enfin, c'est le speech du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Les Templiers de l'Aube. Les Templiers de l'Aube est un visual novel. Développé par Fremen Corp en partenariat avec le comité départemental du tourisme de l'Aube, il a été conçu pour faire découvrir le passé du département et notamment l'histoire des Templiers. Des Templiers où ça ? Non, vous êtes trompé de jeu là. Vous êtes un membre de l'AMAT, l'agence de maintien de l'authenticité temporelle. Votre mission est de voyager au XIIe siècle dans la ville de Troyes pour élucider un complot qui se trame contre les Templiers. Encore des Templiers ? Non, c'est toujours pas le bon jeu. Vous créez votre personnage et c'est parti pour la première quête, devenir un chevalier du Temple. Cette quête est divisée en missions, et chaque mission vous demande de dialoguer avec un personnage. Mais attention, avant chaque discussion, vous devez choisir la tenue adéquate pour vous fondre parmi la population. Et lors des discussions, vous devez choisir les bonnes réponses pour ne pas effrayer la population ou créer un paradoxe temporel. Du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Par exemple, une de mes élèves a très bien compris qu'il ne fallait pas parler de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 à un bûcheron du XIIe siècle. Parce que votre présent de 2242, c'est le futur du paysan du XIIe siècle. Mais son futur, c'est aussi votre futur, votre présent et votre passé. Je vous laisse réfléchir à ça. Les bonnes réponses vous rapportent des points et les mauvaises vous en font perdre. L'objectif est d'obtenir le plus de points. Si vous n'en obtenez pas assez, la mission échoue et vous devez recommencer. Mais vu que vous venez du futur, vous avez 4 jokers pour vous aider. Voir le choix des autres joueurs, le retour en arrière, le double score et bien sûr le 50-50. C'est votre ultime bafouille ? À la fin de chaque mission, vous aurez droit à un débriefing afin de voir vos bons ou vos mauvais choix. Et vous pourrez refaire les missions pour avancer ou obtenir plus de points. Vos différentes rencontres vous permettront de vous rapprocher de votre objectif. La première quête s'achève avec votre entrée dans l'ordre du temple, et vous pourrez alors commencer la deuxième quête qui vous fait découvrir le fonctionnement de l'ordre et le complot qui se trame contre lui. Cette deuxième quête introduit des mini-jeux comme le repérage géographique des principales commanderies. Et voilà, le jeu attend une mise à jour de contenu, mais quand, ça, je sais pas. D'abord, ce qui est super, c'est que le jeu est disponible sans installation dans n'importe quel navigateur internet et il n'est même pas obligatoire de se créer de compte. Même si le compte est obligatoire pour conserver sa progression, ses points et ses hauts faits. Oui, parce que le jeu, c'est plus que les quêtes que vous pouvez faire. Il y a tout un aspect social et compétitif qui a été intégré. Social parce que vous pouvez créer des équipes, une espèce de guilde, avec vos copains. Compétitif parce que tous les quiz que vous avez croisés durant votre aventure sont disponibles en dehors de cette aventure, ce sont les quiz d'entraînement, et il y a des classements individuels et par équipe. Et je vous mets au défi de battre mon score. En plus, votre progression dans l'aventure n'est pas linéaire, c'est vous qui choisissez les personnages que vous allez rencontrer et le chemin que vous allez prendre pour arriver à vos fins. Et avec ce jeu, vous allez pouvoir réviser des connaissances sur la cuisine médiévale, sur la musique, les instruments de musique, sur les châteaux forts, les fortifications, mais aussi sur l'ordre du temple. Mais c'est vrai que certaines discussions vont vite se transformer en quiz. Certains quiz sont amenés très subtilement, comme celui sur les Templiers. Par contre, le cuistot débordé qui vous pose des questions en mode examen de CAP cuisine arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais ce qui est vraiment super avec ce jeu, c'est que vous allez vraiment prendre conscience du fossé qui existe entre le passé et le présent. Il y a bien 2-3 petites erreurs. La première, c'est l'orthographe du mot Moyen-Âge. Pour information, le mot Moyen-Âge, c'est avec 2 majuscules et un accent circonflexe sur le A. Et puis le jeu veut vous faire croire qu'il n'y avait que des nobles dans l'ordre du temple, alors qu'on sait grâce à Alain Desmurgés qu'il y avait aussi des artisans qui étaient appelés des frères de métier. Dernier petit point négatif, c'est dommage qu'il n'y ait pas de musique lorsque l'on joue au jeu. Alors petit conseil, n'hésitez pas à aller chercher sur YouTube une petite balade de Guillaume de Machaut. Ça permettra de rendre votre partie un peu plus vivante. Enfin, tout ça, c'est pas très grave, parce que dans l'ensemble, c'est un très bon jeu sérieux. Il reprend un certain nombre de codes du jeu vidéo grand public, comme l'obtention de hauts faits, et l'adapte à un scénario pédagogique. Il sera très adapté à des jeunes enfants, notamment de primaire ou de collège,
et il sera peut-être un peu trop facile ou un peu trop simple pour des lycéens ou des personnes qui en savent déjà beaucoup sur le Moyen-Âge. Et c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation des Templiers de l'Aube. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire sous la vidéo. Si vous aviez déjà joué au jeu ou que vous le si vous connaissiez déjà le jeu ou que vous y jouiez après avoir vu ma vidéo, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire, je serai ravi d'avoir votre avis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut! Si cette vidéo t'a plu et que tu veux soutenir ma chaîne, tu peux bien sûr t'abonner si c'est pas déjà fait, cliquer sur la clochette pour être sûr de voir la prochaine vidéo, et tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Enfin, sans te commander, hein.